Bonjour les coloristes, j'espère que vous allez bien et qu'il fait pas trop chaud de par chez vous. Pour l'instant ça va mais ça commence à piquer quand même. Alors aujourd'hui on va se pencher comme promis sur de la peinture. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture que vous avez sans doute déjà vue, peut-être souvent même sans le savoir. Nous allons parler de la Poster Color. Oh really? Poster Color, ça vous dit rien? Ça vous dit absolument rien? Mais si, vous savez, dans tous les Ghibli, vous les avez vus en fond déjà, ou bien dans les séries d'animation japonaises, ou même dans les séries anciennes. Mais anciennes parce que maintenant ça n'existe plus vraiment, hein, l'utilisation de Poster Color directement sur les fonds. D'origine japonaise, cette peinture serait née bien sûr dans les studios d'une petite PME japonaise en 1950. La société s'appelle Niker, c'est peut-être la plus connue. Alors pourquoi pas la gouache? Pourquoi la Poster Color? Parce que c'est moins cher et de par ce fait, c'est devenu quand même un choix pour les dessinateurs et pour les séries d'animation, pour travailler directement sur les celluloïdes, donc ce qu'on n'utilise plus maintenant. Alors le liant est le même que pour la gouache, c'est de la gomme arabique, mais il est présent en plus grande quantité. C'est ça qui fait que on appelle ça Poster Color et non pas gouache bis, hein. Alors la consistance, elle est entre la gouache et l'aquarelle, et ça se dilue à l'eau. Alors les autres points forts de cette peinture, c'est que les couleurs sont très vives, que c'est très couvrant, et qu'en fait, il faut une plus petite quantité que la gouache, par exemple, pour colorer son dessin. Et c'est plus malléable aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que pour peindre, c'est plus simple d'utiliser la Poster Color. C'est plus mat, un peu comme l'acrylique, sans avoir des ajouts plastiques comme l'acrylique. Et il y a un débat aussi sur la résistance à la lumière aussi. Ça, c'est un truc que vous savez qui compte pour moi et pour travailler pour mes clients. On dit que c'est... Enfin, normalement, c'est censé être plus résistant à la lumière que les autres. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui existe? Niker, Turner, Sakura Color, c'est les marques les plus connues et bien sûr qui sont japonaises. Donc moi, je vais travailler aujourd'hui avec la Sakura Color. C'est pas une excessive. C'est sous forme de pot en verre, comme vous pouvez voir. C'est aussi vendu en tube. Vous devrez disposer d'une palette, en fait, pour travailler avec ça, parce que c'est fortement déconseillé de tremper directement votre pinceau dedans, sinon vous allez vous retrouver avec des pots tout sales. Et ça serait dommage, quoi. Donc, bon. Je sais pas pourquoi, enfin, en fait, la Poster Color, ça me fait penser... Ça me fait penser aux posters de films, forcément, Poster Color. Et ça me fait penser au dessin de Drew Struzan, donc, qui a fait énormément d'affiches superbes. Donc ben, j'avais envie de dessiner une affiche un petit peu de cinéma, voilà aussi, d'un film que j'adore. On va parler du film Blade Runner, voilà. Je vais faire une affiche à ma façon de Blade Runner. C'est probablement le film que je préfère le plus, toutes catégories confondues, parce que c'est un film qui est extraordinaire. Il rassemble énormément de qualités, avec une ambiance rétro-futuriste et des acteurs sublimes. Je parle du film bien sûr de 82 de Ridley Scott, hein, pas du nouveau de Denis Villeneuve, qui a ses qualités, mais bon, qui demeure pour moi un cran quand même en dessous de l'original, hein, désolé, même si il a ses qualités. Donc voilà, et puis en plus il y a aussi enfin c'est un peu avec un pinceau au cœur que j'ai appris il y a peu que Enfin, il y a Vangelis, le compositeur des musiques de Blade Runner, est mort il y a peu. Et du coup, ça m'avait touchée quand c'est arrivé. Maintenant, ça doit faire un mois à peu près. Donc, je voulais aussi un peu, à ma manière, lui rendre un petit peu hommage. Parce que bon, quand il y a des choses comme ça qui vous touchent dans la vie, des œuvres qui vous bouleversent, bah forcément, vous avez un petit peu envie de faire quelque chose. Voilà. Donc, on va se retrouver face papier et on va voir comment on va s'en sortir et comment le papier va réagir surtout. Voilà, voilà. On s'arrête un petit peu avant la fin pour faire un petit peu le point. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est déjà bien installée. Il y a cette ambiance un petit peu turquoise avec les ambiances d'effets steampunk qui sont bien là, avec une pluie comme ça un peu diffuse. Après, vous verrez que j'étais un petit peu inégale. J'ai pas tout fini, j'ai préservé comme d'habitude mon réflexe de l'aquarelle, les blancs du papier pour garder les zones plus claires. Mais il y a des zones qui sont, voilà, j'ai pas trop tenu compte finalement de l'arrière-plan et de des avant-plans, parce que voilà, vous voyez là, il y a des personnages qui sont bien complétés et des zones par contre qui sont absolument pas du tout terminées. Donc voilà, j'avance doucement, j'avoue que c'est un petit peu dû au fait que le poster color, c'est pas non plus ce que je fais de plus. Mais voilà, ça avance quand même bien. Voilà, que ça soit Pris, Roy Batty ou Rachel, on va dire qu'ils sont à peu près terminés. Et par contre, Descartes, il n'est pas du tout fini. Petite difficulté qui s'ajoute aussi et que vous ne voyez pas dans la vidéo, et c'est tant mieux, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Même si là où je suis, c'est la pièce la plus fraîche de tout le local. Mais voilà, ça rajoute une petite difficulté, parce qu'en plus, je ne peux pas mettre le ventilo quand je filme, étant donné que ça fait bouger la caméra. Donc, bah, tant pis, hein, ça fait partie des petits compromis qu'on fait pour les vidéos. Mais voilà, enfin, je vais avancer, je vais continuer à rajouter des détails, à terminer, à m'occuper aussi de la police de caractère du titre, qui est quand même écrit relativement petite, donc il va falloir que je fasse attention. Mais voilà, enfin je continue. Je continue. Donc je vais m'arrêter là, je pense que le résultat n'est pas trop mal. J'ai réalisé pas mal de détails et de peintures sans enregistrement, parce que c'était vraiment, je pense, ça aurait été trop fastidieux à regarder. Et parce que bon, je faisais pas, j'ai pas fait non plus des choses extraordinaires. J'ai par exemple passé des contours, c'est beaucoup des questions de contours en fait, et de clarté, de contraste en fait, à des endroits où je considère qu'on voit pas, qu'on distingue pas assez bien l'avant-plan de l'arrière-plan par exemple, ou vraiment des choses de netteté, des contours qui sont pas précis, qui sont pas assez jolis, ou des zones qui sont pas, voilà, qui sont pas assez sombres. Donc toutes les zones comme ça ont été rectifiées, et voilà. Bah après, comme je le dis souvent, on pourrait continuer encore des heures et peut-être même des jours à travailler dessus, mais je suis là, je suis satisfaite de mon résultat, donc On se retrouve 3 jours plus tard. La chaleur est toujours là. Un peu moins à l'heure où je vous parle, donc ça va. Alors, mon verdict. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à travailler cette peinture. Je pense que vous en êtes rendu compte. Parce que c'était d'abord un hommage à Blade Runner que j'adore. Le fait de dessiner tous ces personnages extrêmement connus, incarnés par des acteurs de talent, forcément, ça m'a beaucoup plu. Il y avait évidemment un enjeu de ressemblance aussi qui n'était pas évident, mais bon, je me suis plutôt concentrée sur les personnages que sur leur ressemblance. Mais bon, le fait est que de peindre avec les posters color, c'était quand même une expérience assez intéressante qui m'a vraiment plu. C'était pas ma première fois, donc j'avais quand même un petit peu déjà testé le matériel. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pu aborder avec une grande sérénité en fait mon travail. Ce qui n'est pas toujours le cas à la gouache, qui est quand même un médium dont je vais souvent parler là pour ma conclusion, parce qu'il est assez similaire à ce que j'ai pu ressentir avec le poster color. Mais disons que la poster color, en fait, c'est un médium qui a une grande stabilité. En fait, rendez-vous compte, si j'avais fait les mêmes effets en fait avec de la gouache, que j'adore hein, pourtant, il n'y a pas de souci, hein, mais ça n'aurait pas marché, parce que j'ai fait beaucoup de glacis. Ce que je fais en fait plutôt avec l'acrylique, qui a quand même une base plastique, silicone, qui là n'existe pas en fait. C'est tout simplement de la tempera en fait, hein, la poster color. Donc en fait, si j'avais fait les mêmes effets que j'avais fait ça avec la gouache, ça aurait troué le papier, je pense. Ces glacis là que j'ai fait en frottant le pinceau un petit peu sur la surface à certains endroits, pour faire des effets de passage, de texture et tout ça, je pense que ça n'aurait tout simplement rien donné. Ça aurait été un échec, mais là ça rend quand même assez bien, donc je suis assez contente de ce travail-là. C'est une expérience que moi je vous conseille si vous en avez l'occasion et le budget. C'est quand même moins cher que de la gouache extra fine. Je le sais, bon, c'est quand même pas non plus négligeable, ça a un petit coût. Ces couleurs Sakura Poster Colors, ça coûte à peu près dans les 60 €. Donc si vous pouvez, si vous en avez le budget, le temps et l'envie, moi je vous les conseille, parce qu'en plus il y a quand même un gros point fort aussi, et c'est pourquoi ça a été choisi par l'industrie de l'animation. C'est parce que il faut très peu de peinture au final pour réussir. Bah là j'ai fait quand même une page A4 entière et ça m'a pas pris tellement de peinture que ça, donc sincèrement c'est quand même rentable. Donc bah voilà, en fait je voulais vous remercier, j'en arrive un petit peu à ma conclusion, donc je voulais vous remercier de me suivre toujours plus nombreux sur cette chaîne, et je suis toujours extrêmement heureuse d'échanger avec vous, de pouvoir partager sur les sujets de notre passion, le dessin, l'illustration. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis, à me dire si vous avez déjà expérimenté le poster color, qui n'est pas forcément quelque chose d'encore très démocratisé dans notre pays. Un petit mot sur la prochaine vidéo. Je voulais vous dire aussi que le mois prochain ça va être une vidéo assez exceptionnelle, qui sera toujours 100% axée dessin, mais qui sera aussi 100% inédit. Donc j'ai vraiment hâte de partager cette future vidéo avec vous, et je vous souhaite de profiter, de passer un très bel été. Bye bye.